je suis vraiment un âne. Casse le cul toute la semaine, tous les jours à faire des trucs. Regarde-moi ça. Là, tu veux dire quoi? Tu veux me dire quoi? Tu réfléchis pas, je donne 10 000 euros. La dernière fois, je prends devant tout le monde en fait. Tu dis qu'est-ce qui se passe? Je la prends seule, écoute, ça peut partir trop en live en fait, je t'explique. Vaut mieux qu'il y ait tout le monde en fait. 10 000 euros à Benoît, que j'ai dit. J'avais pas pensé. Ah, t'as pas pensé, je mets 5 ans à prendre 1 euro. Je savais pas. Et toi, 2 secondes, tu vas prendre 10 000 euros et tu me dis que tu veux parler. Je savais plus. Ne me dis rien, la vérité, je vais. Mais tu sais que tu peux les récupérer quand tu veux. Mais c'est bien. Tu t'es la plus grosse cagnotte de la maison. Mais alors? C'est ça. Oui, mais en fait, maintenant, je sais. Je me justifie. Ah ouais, les chutes en. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis Raoul et je t'en. C'est à moi que tu parles, mais moi je t'en. Alors ferme ta grande. Ferme ta grande. T'as dit quelque chose? Mais je t'en. Ce que tu vas dire, ça va pas être. Bon bah je dis rien. C'est nul. Donc ne dis rien, c'est pas grave. Bravo. Bien joué. Il vient le truc, c'est trop beau et trop con. Pas du tout. Il n'y a pas de soucis. Prends le balance. Bah, prends le. Là, tu le prends mal parce que. C'est. Alors, je donne 10 000 euros, Benoît, dans la foi. Mais ça, j'ai oublié, d'accord? Mais ça, j'ai oublié, ça va. Mais 10 000, c'est un oubli. Mais toi de ton. Mets-toi de ton. D'accord, ne te mets pas de mes histoires. Elle a ses grandes pommes. Donc, Bah voilà, ouais, j'ai enlevé 10 000, ouais, j'ai enlevé 10 000. Bravo, bah c'est tout, alors ça y est, la rajoute pas, c'est bon. Voilà, c'est tout. Ok, donc toi, tu me prends 10 000, pourquoi? Je comprends pas pourquoi tu m'en veux. Mais en plus, je comprends pas pourquoi, alors que je lui explique A plus B, donc dans ces cas-là, j'ai été nominée, j'aurais dû t'en vouloir et faire des passes. Ça veut dire que tu voulais jouer avec lui? Et pas du tout, il dit, il y a les problèmes, mais genre, c'est pas du jeu. Mais j'ai aussi dit, il y a les problèmes. Ah ben si j'avais pu dire la même chose, j'aurais dit la même chose, mais ça veut pas dire que je vais me pêcher Juliette. Non, je protège Camille, mais je suis d'accord, mais oui, mais normal, logique. Tu vois, tu me fais rire. Tu comprends les comparables. Ok, je fais rire. Ok, je fais rire. Tu as réfléchi bêtement. Ça montre encore une fois que, regarde, qui est loyal, qui est pas loyal. Voilà, c'est tout. Et crois-moi, je suis pas comme toi, j'ai une dignité. Là. Si je dois les prendre, je les prendrai pas à toi. Non, non, dis pas des choses que... En gros, Carla, je pense que Julia veut pécho ton mec, hein. Absolument pas. Bah, je sais pas, moi, je serais pas allé voir, par exemple, je suis en couple, je serais pas allé voir Benji en disant, ah bah, tu attends que je sois là pour plus jouer au jeu des problèmes. Et quand je dis je, c'est bizarre. C'est nous, en fait. Ah bah, non, t'as dit je, sinon tu aurais dit nous, les nouvelles arrivent. Tu penses pas que tu arrives. Ouais, non, mais t'inquiète pas, moi, je suis pas méchant. Pour te faire comprendre que si je dois taper sur quelqu'un, je vais pas taper sur ceux qui marchent avec moi depuis le début. Moi, j'essaie de vous faire avancer avec Benoît d'enfant en lui disant, prends les 10 000 euros pour toi, tu avances avec Charlène, vous essayez de faire une game. Et toi, tu viens. Tu aurais dit nous, tu as dit jeu, c'est pas grave. J'ai dit jeu, j'ai dit non, c'est pas grave. Bah, c'est chelou. Si j'avais voulu faire un truc avec Kevin, bah, si, ça veut dire que Kevin, il participe pas et que ça t'embête. Bah, ouais. Mais non, c'est qu'en fait, il n'y a pas de jeu. Bah... C'est juste nous qui sommes dans la merde. On va faire de la base, j'ai demandé que la plus grosse canne, c'est tout. C'est pas grave, santé, ça, c'est moi qui rigole. Bah, bref, ça sent de prendre sur moi. D'accord, ok, ça marche. Ça va être bien, si tu veux. Wouah! Tu as envie d'embrasser, tu as envie de kiffer. Et en fait, qu'est-ce que tu as fait, Benji? J'ai embrassé tout le monde. Mais alors, depuis que voilà, je te le dis, maintenant, je vais dégueuler, Mais on te dit pas de faire la folle, hein, dans tous les cas. Mais moi, j'ai fait la folle. Je pourrais savoir, en fait, à quel moment, moi, d'accord? En gros, Attends, on va faire un deal. Non, mais attends, je vais te parler. C'est quoi le deal? C'est quoi le deal? Je m'en bats les. Tu t'en bats les. Quoi? Donc, dans ce cas-là, pourquoi tu vas dire aux gens, soi-disant moi, si tu as des embrouilles avec Léana, c'est de ma faute? Moi, je suis ta pape! On commence pas à me crier! En tout cas, t'aurais dit ça de Julien, je t'aurais pété un plomb dessus. On sent tout pas. Mais ça veut pas dire moi, Julien, parce que dans ce cas-là, on aurait marqué des questions. Bah si, non, mais. On aurait écrit des questions en mettant. Bah non, Julien fait ci, Kevin fait ça, et on a bien dit. Eh oui, elle a raison. Je peux pas la défendre, elle a vu la mère, elle a raison. Je suis fraîche aujourd'hui, je vais tous vous envoyer dans la. En fait, parce que un coup vous êtes blanc, un coup vous êtes noir. Un coup vous êtes bien avec les gens, un coup quand il faut tourner le dos, vous le tournez. Moi je vous le dis en face, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème maintenant? Maintenant toi, je savais pas. Moi tu vas voir Thibaut, tu le dis ça. Non, mais je comprends ce que veut dire. En gros, on peut pas mettre de gage concernant Kevin. Pourquoi? Concernant Julien. Donc elle a pas dit Julien, elle a dit juste Kevin. Oh là là, mais elle aurait pu dire Kevin comme Julien, comme Jessica. Et déjà, c'est quoi ton problème? Tu l'as prouvé hier que t'étais une. J'ai prouvé quoi? Oui, une coupie. Je défends mes amis, ok? Moi, je défends mes amis.
Franchement, tu me fais la scène, il touche devant moi en disant moi, je suis respectueuse. Mais je suis respectueuse par rapport à mon mec, mais mon mec, tu vas l'attraper en lui disant. Mais je l'ai pas attrapé, on était en train de discuter. Bah non, tu l'as attrapé dans la cuisine. Mais non, allez, tais-toi, trop quoi. Vous avez mal parlé à Fred. C'est parti de vous avez mal parlé à Fred. Mais arrêtez. Oh, tu cries. Oh, ferme-la maintenant. Ferme-la. Parce que soi-disant, c'est moi qui crée les histoires. Oh, je vous avais mal parlé à Fred, point final. En fait, non, c'est parti de là. Moi, je vous le dis. Vous avez mal démarré. Ben, moi, j'ai réagi. Mais arrête aussi, pas bien. Arrête de la défendre. Elle a dit. Arrête un peu d'inventer. Toi aussi, tu sais pourquoi. Moi, elle aurait dû se faire activer. J'aurais pu péter un câble. Et la tête de ma mère. Mais est-ce que moi, j'ai manqué de respect envers quelqu'un? Ah, mais tu veux que je sois ton mec? En fait, tu t'en bats les couilles. Qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que je sois ton mec ou ton ex? C'est pareil. Mais qu'est-ce que tu racontes? D'où tu dis, ah, tu veux que je sois pas là pour pas jouer? C'est une grosse allumette en fait, c'est une grosse manipulatrice. C'est bon, ça m'a saoulé. Mais c'est pour ça que je voulais pas lui en parler quand j'ai dit ça se fait pas ce que tu fais et que je suis rentrée dans la chambre. Fait... Alors déjà, tu me cries pas dessus, t'es mignonne, tu vois ce que je veux dire? Tu me cries pas dessus depuis. Hey, non, j'en ai rien à faire. Déjà, je te parle, je te retourne pas. Mais c'est toi qui. Non, mais déjà, tu commences avec moi, tu commences à m'énerver. Faut que tu vas bien avec Kevin, j'ai bien, je te suis là. Mais au final, tu es une grosse vicieuse parce que pour dire ça, ça veut dire que tu veux pas faire ça. Vicieuse! Mais si j'avais envie de la mettre à l'air, j'aurais fait des tentatives. D'où tu l'aurais fait en fait? Ah, ça veut dire que tu pouvais? Ouais, c'est un truc de fou, frère. C'est bizarre quand même de dire ça. Moi je ne crie pas dessus, je suis pas ta copine, je suis pas ta mère, je suis rien du tout pour toi, d'accord? Bah ça je le sais. Non mais voilà, donc baisse tes yeux et ferme ta. Quoi? Baisse tes yeux, ferme ta. Tu ne crie pas dessus, 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 si je veux. T'es qui ici? Mais toi qui ici? T'es qui ici? Mais tu pètes un câble, mais tu pètes un. Si j'avais voulu faire des tentatives vicieuses, je lui aurais laissé les appels de phare. Est-ce qu'à un moment, j'ai montré un intérêt envers Kevin? Ben là, clairement, de dire ça, c'est une grosse allumette, c'est une grosse folle qui dit ça, voilà, je te le dis maintenant. Mais grosse folle de quoi, en fait? Je te le dis, en fait. Mais grosse folle de quoi? C'est une grosse folle, tu embrasses tout le monde, là. Moi, je suis gentille, je suis tout le temps là derrière toi. Au fait, bah, je suis désolée, c'est toi qui m'as manqué de respect. Tu vas lui manquer de respect, pas moi. C'est toi qui m'as manqué de respect, tu me dis tac. Tu agis comme une folle, ça va, quoi. Au final, tu m'as fait l'envers, pardon, en disant... Mais c'est pas l'envers de quoi? Je suis tout le temps avec toi, je dis, Julia, c'est la fille que j'aime le plus, c'est la fille que franchement, ça va. Mais est-ce qu'une fois, je t'ai manqué de respect, de me la mettre à l'envers en disant, oh, c'est dommage, hein, Kevin, pourquoi tu joues pas? Clairement, c'est ça. Pour moi, tu es une grosse allumeuse. Eh ben, j'ai une grosse allumeuse, c'est ta vie. En attendant, depuis le début, je suis là, je vais prendre vos nouvelles. Tu es une grosse faux cul, alors, en disant ça, tu es une grosse faux cul.